Très bien. Des exercices maintenant à Marie-Lys. Oui, madame. Maman, un homme avec une valise m'a suivi jusqu'ici. Qui ça? Bah, je sais pas, je l'avais jamais vu. Il t'a parlé? Il a essayé. Tu lui as parlé? Bien sûr que non. Ah, Marie-Lys, ne traîne pas. Sol, do, la, ré, si, mi, un peu plus lentement. Arrondis bien tes doigts, lève-les aussi haut que possible. C'est très très bien. Si je peux me permettre, ça t'aurait pas fait de mal de savoir ce que ce monsieur voulait? Je sais exactement ce qu'il voulait. Mais quoi donc, ma chérie? Il suffit de lire Balzac. Oh, je te demande pardon de l'avoir jamais lu. Et comme absolument tout le monde dans cette ville. Tu recommences encore avec ta rengaine sur la mentalité ordinaire des gens de River City que tu prends trop à cœur. Allons maman, puisque la bibliothèque de Madison m'a été confiée pour améliorer le niveau culturel de River City, comment ne pas m'inquiéter quand les dames de River City persistent à ignorer mes conseils et mes avis? Mais ma chérie, toutes ces femmes ont un mari et tu n'en as pas. Pourquoi voudrais-tu qu'elles t'écoutent? Ça ne te sert à rien de citer Balzac, Shakespeare, les philosophes de l'Antiquité. Maman, puis-je me permettre poliment de te faire remarquer que tu changes de sujet? Je ne change pas de sujet, je parlais de cet étranger. Et quel étranger? L'homme avec la valise, peut-être ta dernière chance. Tu vois bien que ce n'est qu'un vulgaire coureur de jupons. Maman, ce n'est pas mon genre. J'ai certaines exigences en ce qui concerne les hommes. Je connais tes exigences et si je peux enfin me permettre, il n'y a pas un seul homme sur cette terre à la hauteur de cet idéal masculin que tu t'es créé dans ta petite tête de bibliothécaire, enflammée comme une Irlandaise, entêtée, bornée comme tous les gens de River City.